année, Children's Bill peut faire débat. Depuis plus que 3 semaines, là, c'était. Il fait un travail de recherche pour guetter qui la convention internationale dit par rapport à la responsabilité pénale et l'âge du mariage. Un travail qu'il nous fait en équipe au bureau de l'Ombudsperson pour les enfants. Le Children's Bill, lui-même, ne veut pas dire que tous les enfants sont mariés 16 ans et que ça nous apprécie. Les enfants, c'est un petit peu en bas de 18 ans. Children's Bill vient mettre ça au clair. Il vient mettre lui. Affirmer qu'un enfant, c'est une personne en bas de 18 ans. Mais, et non, le Code civil n'a pas amendé, et que nous pouvons dire aujourd'hui que le Code civil est bien amendé pour dire que l'âge mariage, dans une circonstance exceptionnelle, est capable de 16 ans, et me dire ça en fonction du comité des experts des droits de l'enfant et comité des experts des droits de la femme, il gagne un commentaire conjointe générale Lola, dans un cas extrêmement exceptionnel. Mais sinon, le bureau de l'Ombudsperson, pareil comme le ministère de l'égalité des genres, il est clair qu'il y a des enfants sur place dans l'école. Mais dans des cas exceptionnels, nous allons fouiller pour guetter qui le comité des experts de Nations Unies, qu'il y a mais nous comme éclairage Lola. Alors lui-même lui dit, si un enfant, le juge décidait qu'il est émancipé suffisamment, le juge décide qu'il doit respecter ce désir, l'élève est capable de donner l'autorisation. Alors, nous position, c'est un célèbre juge qui a donné l'autorisation à ses enfants. Responsabilité pénale, d'après les conventions internationales, il est clair qu'il y a un argument bien clair. Alors là, c'est les enfants de 12 ans, ils guident, mais seulement la convention, un expert convention, dire qu'il ne peut pas baisser en bas de 12 ans. Maurice, pas baisser en bas de 12 ans. Maurice, il est respecté la convention, la tendance des experts de l'ONU. Mais seulement, style, nous ne trouvons pas Liban. Parce que l'India, mais l'India aussi, les comités d'experts, l'India aussi, qui nous capables, nous besoin considérer pour mettre le plus tard possible, 14 ans ou bien 16 ans. Moi, ce qui me fait aujourd'hui, moi, j'invite beaucoup de monde à étudier le droit international par rapport à la protection des droits de l'enfant. Et guette aussi le contexte national et étudier ça, parce que moi, j'ai aussi nous besoin de beaucoup de sensibilisation. Ou pas sans du monde, c'est sans changeant des lois. Hein. Nous besoin sans l'attitude profonde des bandes du monde. Si moi, tu l'as bien pour passer de site quand même. Un bout de personne for children, vous faire recommandation. Vous connaissez, en tant qu'un militant en droit humain, le combat est long. Oui, mais nous continuons à combattre.